annulé un voyage en Géorgie après l'assassinat du président de ce pays dans un attentat suicide revendiqué par des rebelles séparatistes de la région de l'Abkhazie. Les combats qui continuent en Abkhazie et en Ossétie du Sud ont réduit à néant les espoirs géorgiens de s'intégrer aux institutions occidentales. Baron de l'industrie, Kambei Nikolatze s'est emparé du pouvoir aujourd'hui grâce à un coup d'état pacifique et s'est installé au palais présidentiel derrière un mur d'appui politique et militaire. Le milliardaire charismatique compte organiser des élections d'ici quelques jours pour confirmer sa prise de pouvoir. Il promet une relation virginale et profitable avec les États-Unis et l'Occident. Apporter la connectivité à grande vitesse en Europe de l'Est, où l'on n'avait pas le téléphone il y a moins de 10 ans. Ce bond technologique est dû en grande partie aux efforts des industries de l'information, en plein essor aux Pays-Bas et surtout en Géorgie, où le président est allé. Le vice-président a qualifié cette visite en Géorgie d'honneur et a dit du président géorgien Kambei Nikolatze que c'était un homme tourné vers l'avenir. Sam Fisher, vous êtes arrivé avant moi, bravo. J'aime être en avance. Bonjour, colonel. Vous pouvez dire mon nom, la pièce est sécurisée. Lambert. Heureux de vous revoir. Votre initiation à la NSA se passe bien ? Pas trop mal. Ils font tous leur coquette au sujet de ce qu'ils ont le droit de me dire. C'est dans la nature de cette agence. On évite qu'une seule personne sache tout. Ça nous force à travailler tous ensemble. Mais c'est moi qui serai sur le terrain tout seul. Vous nous transmettrez plus d'infos que vous ne le croyez. Et on sera relié à vous grâce à vos implants et à votre montre terminale. C'est comme ça que l'entraînement va se passer ? Oui. Désolé de devoir vous imposer ce parcours, mais je sais que vous vous maintenez en forme. Ça fait des années que je suis pas allé sur le terrain. Je sais. Mais le métier, ça ne s'oublie pas. C'est comme faire du vélo. Ou porter des talons aiguilles. Attention, Fisher. Tout ce qu'on dit est contrôlé. Vous savez que la hiérarchie n'aime pas qu'on abuse de la 5e liberté. Je serai sage. Faites mieux que ça. Échelon 3 est une initiative toute récente. Le rôle que joueront les opérations de renseignement offensives dans l'avenir de la NSA dépendra de vos performances. Je vous retrouve à l'autre bout du parcours. Ok, Sam. On y va. Vous me recevez ? Salut, mec. Bon, ça prouve que votre micro interne a bien été implanté. Les techniciens vont maintenant procéder au calibrage de votre équipement. Pouvez-vous vous tourner en direction de la lumière rouge sur le mur à votre gauche ? Ok. Maintenant, la lumière à votre droite. Les angles de caméra. Cherchez une lumière au plafond dans les structures métalliques. Maintenant, cherchez-en une au sol en face de vous. Bon, Fisher, on va faire ça aussi vite que possible. On commence facile. Grimpez sur la corniche au-dessus de la piscine. Ça va, c'est propre. Alors... D'accord, Y. Ah non, fallait vraiment que je sois au-dessus alors? C'est curieux ça. Ah d'accord, il y a une corniche là. Vous allez nous faire ça les doigts dans le nez. C'est un parcours du combattant classique. Je vous reparle quand vous l'aurez franchi. Oui.
D'accord. Ok. Et après ? Sur ce mur, appuie sur la touche blanche. Ah. Ok. D'accord, la touche blanche est LB. Dès que vous serez passé par-dessus la barrière, nous entrons en mode d'entraînement aux opérations spéciales. Ah, pas mal ça. Un peu origine, mais bon, c'est vieux. Porte fermée à... Ah, d'accord. Passez aux opérations spéciales. Vous devez traverser la zone sans vous faire repérer. On a des cibles vivantes là-dedans. Les meilleurs instructeurs de la CIA se sont portés volontaires pour être vos victimes. Bah, ils vont regretter. La prochaine porte est fermée, Sam. Utilisez vos passe-partout pour la crocheter. Ah, ok. Pas m'expliquer ça quand je suis dessus. Que j'ai raté. Mais non, mais oui, mais je veux bien, j'ai le truc. Allez, lâche-la ta porte. Oui. Baisser. Ah, d'accord. Gâchette droite. Oui, ok, d'accord.
D'accord, il faut chercher avec le stick gauche. Quelle direction ça débloque La prochaine porte est protégée par un code. L'homme qui garde la porte le connaît, mais on lui a ordonné de ne pas coopérer. Persuadez-le de faire le contraire. Salut mec. Bon sang, mais d'où tu sors? Tu vas pas me faciliter la tâche, hein? Ah! Pas aussi serré, ça fait mal! Désolé, mon vieux. Donne-moi le code de la porte. 28469! C'était un plaisir de travailler avec toi. Pareil pour moi. De 8469. La prochaine porte est verrouillée par un scanner rétinien. Pas cher et pratiquement inviolable. Heureusement, il suffit d'amener les bons yeux jusqu'au scanner, en général ceux d'un officier. Ce monsieur devant vous est enregistré sur ce scanner. Persuadez-le de vous ouvrir la porte. Vérification radio. Il faut retravailler la furtivité. Ne sortez votre arme qu'en dernier recours. L'invisibilité est votre meilleur atout. Sur vos vêtements, il y a un réseau de photocellules relié à un compteur de visibilité sur votre montre terminale. À 4, vous êtes un vrai sapin de Noël, et à 0, vous êtes un fantôme. Mais dis pas que là tu me vois. Ouais, tu déconnes. Mais tu vois mon coude, c'est tout. Alors, non, c'est pas ce que je veux faire. Inventaire, faut laisser appuyer ce bouton là. Ok. Ça. Les lampes. Ah. Mais. Certaines caméras de surveillance sont plus fragiles que les autres. Vous pouvez les détruire en leur tirant dessus. Ça m'inquiète un peu, le gameplay a l'air un peu approximatif. Parfois, le seul moyen de passer une caméra est de se déplacer rapidement d'une zone d'ombre à une autre.
peux aller où? Assommez le garde qui est dans le couloir. Et cachez son corps avant que la patrouille ne vous découvre. Je t'ai encore vu. Bien essayé quand même. Tu m'as encore vu? Ah, tu m'as pas vu, tu m'as entendu. Ok, Fisher. Laissons entrer l'autre garde pour qu'il vous évalue. Bien joué, Sam. Gardez à l'esprit que la discrétion est vitale dans nos opérations. Votre efficacité peut prouver aux yeux du monde notre importance tactique sur le terrain. Je sais pas s'il fallait que j'aille là. Ah, je peux pas retourner là-bas? Bon bah. Hop, couché. Le prochain couloir, c'est pareil, mais pour les sons. Je vous surveille grâce à des micros cachés. Ah, carrément une gestion du son. Waouh. D'accord, si je tombe là, ça veut dire que... Pas encore assez léger. On essaie encore une fois. Ok. Pas encore assez léger. On essaie encore une fois. Oui. Pas encore assez léger. On essaie encore. Ouais, mais je suis trop loin pour faire un saut. Pas encore assez léger. On essaie encore une fois. Et j'ai touché quoi là? La balustrade? Pas encore assez léger. Ouais. Ok. D'accord, là il a bien voulu en fait. Fallait que je sois baissé pour chuter. Qui a mis des chips par terre? Ça y est, Fisher, vous êtes parti? Non, d'un chien, vous êtes déjà arrivé? Excellent travail. On continue. Ça doit être lui. Ouais. Sam Fisher? Laissez-moi vous présenter Vernon Wilkes Jr. Bonjour. Salut, on m'a raconté des trucs dingues sur vous. Je lui ai raconté quelques anecdotes du Koweït. Ça ne vous dérange pas, j'espère. On est entre copains ici. Et comment? Wilkes travaille à la NSA depuis très longtemps. Il sera vos roues, vos ailes et vos armes. C'est lui qui coordonne le transport et le matériel. Génial. C'est clair. Ça doit te démanger de retourner sur le terrain, hein, mec? Je sais rien faire d'autre. C'est juste ce qu'il nous faut. Bienvenue à la NSA. Je suis sûr que tout va se passer à merveille.
Échelon 3 est une initiative toute récente. On va avoir beaucoup de choses à prouver. Ouais. Tous les deux, vous serez la première unité de Échelon 3 sur le terrain. Soyez prêts et faites-nous honneur. Bienvenue à la NSA. Magnifique.